m'appelle Boris Artaud, je suis gendarme adjoint volontaire. Je fais principalement de la vitesse olympique en catégorie senior. Je fais partie de la Ligue de Provence dans le club du CTPN Marseille. Les principaux titres en vitesse olympique sont second au championnat du monde universitaire à Kazan, quelques titres en championnat de France individuel et plusieurs participations en Coupe du monde sur les 4 années précédentes. Les nouvelles règles ISSF ont changé depuis 2 ans déjà en vitesse olympique. Donc on a remarqué une différence de niveau assez importante d'une Olympiade à l'autre avec ce changement de finale. Après, en finale, les compteurs sont remis à zéro et les résultats sont à la touche. Pour le spectateur, c'est beaucoup plus intéressant car le retour d'information est beaucoup plus rapide. La compréhension pour le spectateur novice est beaucoup plus facile également. Ça permet aussi d'augmenter la pression durant la finale et de faire ressortir les tireurs avec le plus gros potentiel de gestion mentale. Je privilégie principalement la réaction d'arme ainsi que le groupement qui est testé par la fédération au niveau des cartouches. Je regarde uniquement le groupement. Au niveau de la réaction, il n'y a pas une grosse différence et le reste je m'adapte. Au niveau de la crosse, on achète des crosses standards et on les travaille par la suite. Elles sont taillées à notre main. Et après, il effectue certaines copies pour différentes armes. Le réglage de la détente est réglé dès le départ d'une manière de plus en plus fine et similaire sur les 2 armes que j'ai pour pouvoir utiliser les 2 sans, entre guillemets, voir la différence de réglage. Pour l'Olympiade d'avenir, mes objectifs sont assez clairs. À long terme, je vise les Jeux Olympiques de Rio. À plus court terme, pour cette saison, participation sur les Coupes du Monde. Commencer à perfer sur les Coupes du Monde pour l'année prochaine chercher le quota. Le tir, de manière générale, m'a apporté beaucoup au niveau de recherche sur moi-même, au niveau de la concentration et de l'analyse psychologique du sportif en général. Dans la vie de tous les jours, ça m'a aidé à évoluer plus vite, ça m'a permis d'avoir une plus grande maturité plus rapidement.